vous êtes abstenu. Vous n'avez pas dénoncé, vous n'avez pas empêché les gens de commettre ces crimes. Information na témanarali place ndela na ngira. Je vais remonter l'information si j'ai une place. Ali agitant de compagnie nana ou bien adjoint ou bien commandant de compagnie. Ou bien commandant de compagnie. Non, ma contrainte de rabadi. Je peux faire un contrainte. Simple subordonné. Mais simple subordonné. Contrainte de rabadi. Je vais faire le contrainte à qui? Donc vous étiez obligé d'exécuter. Nana nekata nous na ngiyo fala wota na rabamene. Ah de? Non. Est-ce que vous saviez que la non-assistance à une personne en danger ne peut passer ici? C'est quand la personne n'agit pas. Mais vous, vous avez agi au moment des faits, M. Paul. Vous avez agi. Vous avez accepté de surveiller ces personnes pendant qu'ils étaient en détresse. Ils étaient enfermés. Anara, et à Valafé, Imirito, Anna, Yarankatende, Kuima, Mali, Anna Moudangi, Mabé, Hasali itan nu noma fende ndi da badi maraba anu etan eni nyaran katama ler na re itan dori e kantari e mu fefe raba. OK, j'aimerais demander aborder toujours dans, est-ce que ces hommes étaient armés au moment des faits? Est-ce qu'ils étaient armés? Nani raba ma ler na re na ki est-ce que finkari na woy monsieur yawawa qu'est-ce que au moment de quel fait? Il était armé. Au moment de quel fait? Quand il commettait ses actes. Il torturait. Anu armé ani torture là-bas malerner. Alors funkari naï. Adi amari gudi. Funkari maïra di. Non. De tenir pas là. Ani là-bas malerner parce que ala quoi il est aujourd'hui à l'au-delà. Voilà. Mais au moment de ses actes là, il ne détient pas l'arme. Voilà. Le ministre de la sécurité présidentielle a soutenu ici colonel Pivi que tous les hommes du régiment étaient armés. Ministre de la sécurité présidentielle Pivi ana régiment amiré biring armé rinara. Tous les hommes étaient armés. Abirin no armé. Comment un militaire peut effrayer un civil s'il n'a pas d'arme? Un militaire no ma civil bagarre ou de di khassali funkari mai. Sans arme vous êtes comme un civil. Ha funkari moi wolo na lo civil. Oui ou non? Nien. Ah, ntando so ntam sorry na nantana. Moi, ce militaire là. On vous reconnaît par quoi? Comment est-ce que vous pouvez effrayer un civil? Sans arme. Afinkari moi. Ntam miri magao mal afinkari moi. Moi, je peux effrayer quelqu'un même si je n'ai pas l'arme. Vous qui avez peur de commandant? Et là, où est-ce que commandant? Maman Genara. Oui, c'est mon chef. Oui. Je dois avoir peur à lui. Je dois avoir peur. Voilà. Oui. Donc, la peur de ne pas. Vous n'avez pas. À cause de cette peur, vous n'avez pas dénoncé. Vous avez accepté de participer activement à la commission de ces infractions. C'est pas moi qui l'ai nommé à Makambo. Est-ce que vous savez que moi, je me réjouis aujourd'hui en tant que parquetière, en tant que poursuivante dans ce dossier? Vous avez clairement dit qu'il y a eu des tortures. Parce que torture nana. Ah, penga oule fala. Ah, je ne peux pas mentir, je l'ai dit. Et ensuite, vous avez déclaré devant ce tribunal, devant ces parties civiles, ces victimes présumées, que commandant Begré avait des hommes. Commandant Begré était craint. Imam Bara fala. Guy Mire Yarolina, Rome Mawar B, à commandant Begré Mire Naïla, commandant Begré, à Manouma Garou. Donc cela suffit pour moi, pour nous le parquet. Attends, Anabara, attends, où ça? Parquet, oui. Dire que vous avez participé activement à la commission de. Et Manara, et Maral, et Langrené, Nirankate, Yati Yati, et Barnafala. Monsieur Paul, vous pouvez nous dire comment est-ce que certaines familles ont été informées que leurs parents étaient détenus là-bas? Et non, combien ils ont, elles ont payé? Mirinde Kolongedi, et Mire Sanana, et Sourine et Irana, et Neta Kolondi, Mouna Kolong. Je ne connais pas ça. Vous ne connaissez pas? Et Mouna Kolong. Donc les familles, il était formellement interdit d'informer les familles. Nana Neki, Fénan Nara, Yamunutim, ma famille est en Gara Kolong. Maintenant, qu'est-ce que vous
vous avez fait de ces personnes arrêtées? Moi, je ne connais pas. Hein. Ils n'ont pas été libérés, selon vos dires. Les familles ne sont pas venues les chercher. Donc, ils ont disparu. Elles ont disparu, ces personnes. Je ne sais pas. Nous allons parler du camp Kundala proprement. Monsieur Paul. Monsieur Paul, où est le camp Kundala? Hiérarchiquement, selon les différentes versions reçues dans ce dossier et d'après les déclarations du gouvernement qui était en place et les chefs militaires, le camp Kundala relevait du régiment. Qui avait à sa tête le ministre de la sécurité présidentielle et le président lui-même. Le président lui-même était le commandant du régiment. Et en ce qui concerne la sécurité présidentielle, colonel Claude Pivi était le chef, était le ministre. Donc, dites devant ce tribunal, est-ce que confirmez-vous que le camp Kundala relevait du régiment? Falafé, à camp Kundala, Anuna Narega Mangaya Bouma, régiment Nanara, président Nanara Mangera, Pivina, ministre de sécurité Nanana, Era Falaï tribunal B, à camp Kundala, Anuna, régiment Nanga Kontma. Camp Kundala, président Kundina Begré nomina. C'est le président en personne qui a nommé Begré là-bas. Voilà. Ce n'est pas la question. Begré relevait de qui? Begré, ndenu Begré fan commandement. Begré président de la République là na commandement. Nana mobile commandement. Begré qui commandait Begré? Commandant c'est de le président de la République. C'est lui le commandant du régiment. Est-ce que vous participez souvent au rassemblement? Non. Arrête là, ma rassemblement. Non. Non. Donc, vous êtes formel que le camp Kundala relevait du président lui-même. Nanana qui tambara fala camp Kundala président Nanyat Nera Mangera. Ah, parce que j'ai attendu Begré nommé. Parce que c'est lui qui a nommé Begré. Donc, lui aussi, le commandant Begré aussi, prenait les ordres chez le président. Nanana qui Begré fanu sa ordre, ma sotoma président Wainé. Point d'interrogation. Donc, si Begré, commandant Begré, s'inscrivait dans cette logique, la logique de torturer les gens, la population qui manifestait contre le pouvoir en place, selon vous, si le président est pointé du doigt aujourd'hui, est accusé pour des faits de complicité, oui ou non, que ces faits sont avérés? Anara, Mireille n'a rien manifesté. Oui ou non, que cela est normal? Ne n'a pas souhaité, n'a torturé, Begré ira, refalato, à président, à yinyan ou naïfé yama, à des mères in nayama, itambe, inafalamadi. Ah, n'tamouna falakit en colonie. Moi, je ne fais pas faire de déclaration concernant ça. Donc, dites-nous pourquoi ces manifestants ont été déportés dans ce camp et pourquoi ils ont été soumis à des tortures, des traitements inhumains. Monsieur Raina a manifesté quand il campait, émancé Nyarankata est torturé là. Akulu fikrina là. Ah, il y a quelque chose. Nta mangemu na Makambo di. Je ne suis pas chef à Makambo. Fende na Makambo ben muna Makwa ngafla. Il y a des choses à Makambo. Parce que lui mangemu na, je ne suis pas adjoint, je ne suis pas adjoint de compagnie, je ne suis rien. Je ne suis ni adjoint de compagnie. Voilà, toutes les propositions viennent de Begré. Toutes les propositions voilà. De Begré. Il fait le contendant président. Ça l'engage que lui. En tout cas, moi, il n'est pas fait ça devant moi. S'il faisait les informations, peut-être qu'il prend le véhicule, il va faire son information. Il se retourne encore. Donc, vous confirmez, il est clair aujourd'hui pour nous que commandant Begré allait rendre compte directement au président.
C'est ce que vous voulez dire. Moi, je ne connais pas un autre chef de Bégré. À contrandi, là où il peut faire contrandi.